работает на Госту, это вообще для них нонсенс. Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vient de prendre notre petit déjeuner et aujourd'hui on s'apprête à partir pour une randonnée de 3 jours à cheval dans la réserve naturelle de Sari Çelek. Alors malheureusement, il fait assez gris ce matin, il y a même quelques gouttes de pluie. Je pense que on va se taper un orage. Je le sens bien comme ça. La réserve naturelle de Sari Çelek, sinon c'est une réserve qui fait quasiment 24 000 hectares. C'est une réserve très montagneuse et il y a aussi pas mal de petits lacs à l'intérieur. Ça a l'air vraiment magnifique et en plus c'est un endroit très peu touristique. J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. J'espère que voilà, que la pluie, que la météo posera pas trop problème. Surtout que pendant ces 3 jours, on va dormir dans des tentes. Hein. On est avec un guide, hein. C'est 3 jours, enfin une randonnée organisée. On est passé par Eigul et le site GTLA, c'est ça Hugo ? Ouais. C'est le même site et voilà la même personne qui organise que pour la randonnée qu'on a fait à Songkul ou alors celle à la Cool récemment. Pour ce trek là, ça nous coûte 180 € par personne, tout inclus, sachant qu'on a aussi la nuit dans la guest house qu'on vient de passer qui est comprise, le repas d'hier soir, le petit déjeuner de ce matin et une fois qu'on rentre du trek, on a encore une nuit et un repas dans cette guest house. Donc voilà, c'est un peu plus cher que d'habitude, mais du coup ça fait 2 nuits en guest house en plus. Je me suis équipé avec mon harnais et ma caméra DJI, caméra d'action. Donc je vais pouvoir vous faire des images à cheval. Là, notre guide est en train de préparer les chevaux. On devrait partir d'ici 10-15 minutes. J'ai vraiment hâte en tout cas de découvrir cette réserve de Sari Çelek en espérant que on esquive au maximum la pluie et la mauvaise météo. Ça fait 3h30 qu'on est à cheval déjà et là on vient de s'arrêter et on est en fait dans la maison de la sœur d'un de nos guides et on s'arrête pour manger ici. D'ailleurs on a deux guides hein, qui sont avec nous, c'est pour ça que cette randonnée coûte plus cher que celle qu'on a pu faire au lac Songkul il y a quelques semaines. Et sinon voilà, hein, ça se passe bien, hein, le cheval on connaît, on est des pros maintenant. Non, franchement on a fait 4 jours au lac Songkul. Équivalent 2 ans d'équitation. Franchement, ouais. Vraiment, on est super à l'aise quoi maintenant. Par contre, j'ai ouais quelques douleurs aux genoux quand même qui reviennent. Je pense que mes genoux se rappellent de la dernière rando. Donc ça commence déjà à tirer un peu après seulement 3 heures. Mais bon, ça va, on a que 3 jours à encaisser. Ça devrait le faire. Par contre, nos deux guides parlent très très peu anglais. Déjà, celui qu'on avait eu à Songkul parlait un petit peu anglais. C'était compliqué, mais on arrivait à communiquer. Et là sur les deux, il y en a un qui parle vraiment pas du tout anglais et l'autre quelques mots quoi, mais ça va pas être évident. Pour nous dire qu'ils ont mangé ici, nous a dit lunchbox. Ouais, lunchbox. Enfin, c'est marrant. On essaye de faire ce qu'on peut, on fait des mimes, des gestes un peu.
Mais ouais, du coup, ça va être assez compliqué de communiquer. Mais c'est marrant. Je sais pas combien de temps il nous reste. Ils nous ont pas dit. Enfin, du coup, en fait, ils nous ont rien dit du tout parce que bah, ils parlent pas anglais, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, on sait pas du tout combien de temps de cheval on va faire aujourd'hui. On se laisse porter. On se laisse, voilà, on se laisse mener, mais je pense au moins 5 heures, à mon avis. Ouais. Et là, on a déjà fait 3 heures. Ouais, 3h30. Ouais. Ouais. Ça passe super vite, hein. Franchement, c'est cool. Ça fait plaisir de remonter à cheval en tout cas. On vient de finir de manger, on quitte la petite maison, c'était très bon, hein. On a eu des mantis fait maison avec une petite salade concombre et tomate. Il y a eu une très petite averse pendant qu'on mangeait, là ça s'est arrêté et on peut repartir à cheval. Bon, il y a encore quelques gouttes et c'est très très gris, je pense qu'on va avoir le droit à un orage. Là c'est inévitable à mon avis, mais bon, on est équipé, on a les caouets, j'ai mis des sacs plastiques dans mes chaussures, voilà, pour éviter d'avoir les pieds mouillés. Regardez-moi ça, cette technique incroyable. Mais bon, dans tous les cas, je peux vous faire des images parce que cette caméra peut aller sous l'eau, peut prendre l'eau sans souci. Donc c'est parti. Au final, on a réussi à se faire comprendre avec le guide et pour lui demander combien de temps il nous restait. Il nous a dit qu'il restait environ 3 heures de cheval. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une journée de 6h30, en gros, de cheval. Donc on attaque directement avec un gros trajet. Et il reste 3 heures. C'est parti. Nous voilà arrivés à l'endroit où on va poser notre tente ce soir après au total aujourd'hui du coup 6h30 de cheval, hein, c'est ce qu'ils nous avaient annoncé, on a mis pile 6h30. C'est vachement cool parce que je vous l'ai dit, c'est des paysages qui changent beaucoup de ce qu'on a vu jusque là. Au lac Songkul, c'était pour découvrir la culture nomade et c'était plus des grandes plaines, des grandes steppes entourées de montagnes. Et là c'est des montagnes super rocheuses en fait, donc le décor est très différent. C'est très joli aussi. Et du coup là on est en train de commencer à installer notre tente. On a une tente 3 places que c'est nos guides qui nous prêtent en fait, qui étaient dans les sacoches sur les chevaux. Voilà, notre tente est montée. Heureusement que les guides nous ont un peu aidé quand même parce que c'était assez galère, mine de rien. Et voilà comment ça se passe à l'intérieur. Donc on a des tapis de sol et des duvets qu'on nous a fourni aussi, qu'on nous prête. C'est un peu serré quand même pour 3 personnes, on va dormir à 3 ici là. Mais bon, ça tiendra chaud. Oui, c'est ça. On va se dire ça. Hein. On est très proche du petit lac, on est arrivé par là-bas et on est passé devant tout à l'heure. Mais en fait on a traversé
une petite rivière avec les chevaux. Et du coup, là, vous voyez, il y a plein de petits courants d'eau qui passent. Et ça rend l'accès au lac assez compliqué à pied. Du coup, on essaye de trouver un chemin pour se rapprocher le plus possible et profiter du lac sur cette fin d'après-midi. Ça y est, on a réussi, nous voilà juste au bord du lac, ce magnifique lac avec cette eau super claire entre le bleu et le vert. Franchement, la couleur est magnifique et entourée de ces belles montagnes, le cadre est de qualité. Ce point de vue sur ce petit lac mérite bien sûr une photo avec le Kodak. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Rendez-vous sera le Tipeee, lien dans la description, pour gagner les photos du Kodak et peut-être un bob qui est existant. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'être à nouveau coupé du monde parce que ici, bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, on n'a pas de connexion internet. Bon, on n'a pas de toilette et de douche non plus, ça c'est... C'est pas non plus, c'est pas très très agréable. Enfin, la douche, c'est pas très grave. Hein. On va pas se doucher pendant 3 jours. On a connu pire. Et les toilettes, eh ben, on va se débrouiller avec Dame Nature. C'est la première fois qu'on a vraiment pas de toilettes, quoi. Parce que au trip à Songkhul, on avait les petites cabanes là avec le trou dans le plancher en guise de toilette. Mais là, il faut vraiment composer avec l'environnement. Et il y a autre chose aussi dont je vous ai pas parlé, dont je vous ai pas donné de nouvelles, c'est que on a eu énormément de chance au niveau de la météo aujourd'hui, puisque de base il y avait des orages annoncés toute l'après-midi et au final on a eu seulement quelques gouttes de pluie pendant qu'on était à cheval, une petite averse pendant qu'on mangeait, ça s'est arrêté, on est reparti et voilà, sur l'après-midi on a eu plutôt beau temps au final, hein, pas mal de soleil, d'éclaircies. Et voilà, seulement peut-être 5 minutes de pluie sur la journée, en tout cas pendant qu'on était sur les chevaux. Donc ça fait plaisir, parce que ça aurait été un peu chiant de faire du cheval sous la pluie, quoi. Petite partie de président dans ce cadre incroyable, parfait pour jouer aux cartes, on est vraiment bien. La nuit est tombée et il est l'heure de manger. Les guides nous ont préparé le repas. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont une bonbonne de gaz, donc de quoi cuisiner chaud. On a un plat à base de pommes de terre avec des carottes et de la viande. On a déjà mangé ça, c'était hier soir. Ouais, hier soir. Voilà, ça fait du bien parce que là, il commence à faire quand même très froid. Il y a du vent et forcément, vu qu'il n'y a plus de soleil, ça s'est refroidi très rapidement. Pour accompagner ça, on a du melon blanc avec du pain et il me semble qu'ils ont aussi une théière, donc on va avoir du thé qui va faire du bien pour se réchauffer. Bon appétit. C'est super bon. C'est bon, ouais, ouais. C'est meilleur qu'hier. Ah, carrément. Parce que hier c'était moyen quand même, je trouvais. Non, c'est vraiment un peu bon. Relevé avec du sel et tout, c'est... Ouais. Ok, ça a l'air pas mal. Et on est du coup voilà installé sur un petit tapis comme ça, juste à côté de nos tentes. Pas mal. Ambiance bonne franquette. On est bien. Déjà ça fait du bien de manger du chaud. Ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est super bon, ouais. Bien meilleur qu'hier, ouais. Ouais, carrément. C'est même pas comparable, ouais. Ouais, ouais. Pourtant c'est le même plat, mais vraiment. La sauce est trop bonne. Et ouais, c'est bien assaisonné. Il y a des petits oignons. Very good.
Bon appétit. Yeah, bon appétit. Yeah. Very good. Merci. Après cet excellent repas, nous voilà à l'intérieur de notre tente et on s'apprête à aller se coucher. Ouais, c'est serré quand même. Hein. C'est serré, mais bon, on aura chaud. On aime bien. On aura chaud, ouais. Regardez là, je vais mettre comme ça. On teste. Oh, ça va, on n'est pas trop proche en vrai. Ouais, ça va. Hein. Je peux t'enlever, mais... Après, il y en a y un qui ont... je dis pas qui, mais... Il y en a un qui parle, je vais pas te dire non, mais... Ça, c'est moi. Voilà. Bon, franchement, ça va. Hein. Faut pas trop se tourner, quoi, et bouger, mais... Voilà, on va donc passer notre première nuit dans cette tente. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez tentés. Si vous prenez. Bonne nuit. C'était trop nul. Mais... De l'aspiration. Ça a marché. Non, mais... Ça a rimé déjà. C'est de pire en pire. Ouais. C'est de pire en pire. J'imagine même pas le dernier jour ce que ça va être. Ouais. En tout cas là, nous on pourra jamais être plus connectés que ça. C'est vrai que là, très connectés là. À 3 on est très connectés.